voilà, mon retour de course de la semaine. J'ai fait un budget de 70 € cette fois-ci pour que je ne puisse pas, je l'espère, la semaine prochaine, fin du mois, qu'on ne puisse pas faire la longue file pour prendre des grosses provisions. J'ai vraiment pris les trucs de base qui peuvent me faire tenir pendant 2 semaines. Comme ça, comme je sais que tout le monde a sa paye, la plupart des gens sont payés début, fin du mois, ben, ils vont faire des grosses courses de dingue. J'ai fait déjà ma grosse course maintenant. Comme ça, je sais couper la poire en deux. Et à la fin du mois, je n'aurai qu'à prendre le nécessaire et pas investir un gros budget sur les courses du mois. Donc ici, pour 69,75 € le paquet de pain, comme ça, j'en ai pris 3. Donc les autres vont rester au congèle calmement. 75 centimes la pièce. Voilà, je profite pour vous présenter, pour ceux ou celles qui ne savent pas, en tout cas pour ici en Belgique, on a l'application de Lidl Plus. Ça se présente comme ça. Voilà, donc j'ai le Lidl où je commande mes achats en ligne. Voilà, ici c'est pour mes achats en ligne et là c'est le Lidl Plus. Donc dans Lidl Plus, ce qui est bien, c'est qu'il faut enregistrer donc tous vos données, tout ça, dans quel Lidl vous fréquentez le plus ou dans quel Lidl vous souhaitez aller. Eh ben, le truc qui est bien, c'est qu'il y a des coupons. Donc vous avez des coupons de réduction chaque semaine où on enlève une histoire de, ça dépend, 35%, parfois 10%, parfois 20% sur le produit. Et genre là, par exemple, si vous avez pris des pommes de terre, à vapeur plus les carottes par exemple ici, et eh ben vous avez quoi, donc 5 kilos le prix du jour et une carotte, donc un paquet de carottes à 1 kilo, vous avez le numéro de l'article, tout ça, et vous avez une réduction là dessus donc peut-être que vous avez les pommes de terre gratuites ou la carotte gratuite. Bah, faites attention parce que dans d'autres magasins genre Colruyt, ils ont supprimé, en cette période de coronavirus, on a supprimé les promotions dans les magasins. Donc on paye tout en prix plein. Et donc c'est des tickets promo comme ça, des coupons promo à activer à chaque fois. Et vous, genre ici, pour les paquets de masse, moins 50% le deuxième, 1 plus 1 gratuit, moins 25% de réduction sur les tomates snack. Il y a 4 pour 2 euros de cook comme ça. Et ici, voilà, j'ai pas pu le prendre parce que voilà, mon budget était déjà fixé malheureusement. Et en plus, j'ai activé ça. Le lait de coco ici que j'utilise souvent pour faire les sauces blanc de poulet ou bien pour mes cheveux que j'utilise souvent. Et voilà, hein. 2 plus 1 gratuit. T'as le prix initial. Donc il y a 1,98 €, l'ancien prix est à 2,97 €, donc au lieu de le payer à 2,97 €, tu le payes à 1,98 €. Et c'est valable encore 2 jours. C'est vraiment bien fait leur application, moi j'adore, parce que ça me fait gagner dans mon budget, je paye toujours moins. C'est ça l'avantage, t'as le dépliant aussi qui est dedans, le dépliant hebdomadaire, et genre t'as 2 semaines aussi pour préparer ta liste de courses, c'est ça qui est chouette. Donc voilà, ça c'est déjà pour la semaine suivante, et ça c'est pour cette semaine. Donc j'adore, c'est vraiment très très bien expliqué. Et donc le truc que je voulais vous montrer, t'as même ton ticket de caisse pour vous dire que moi je fais chaque semaine. La dernière fois, tu vois un peu ce que j'ai claqué depuis le 6 mars, 46 €. J'ai commencé au moment de mollo, 86,24 €, ça c'était vraiment exceptionnel parce que j'avais acheté électroménager, quelque chose qui m'a coûté un peu cher dans le ticket ici. Tu sais regarder à chaque fois hein, ce qui t'a coûté un peu plus cher que d'habitude. Donc c'était la machine à gaufre qui m'avait coûté 17 € en plus dans mon budget, parce que c'est mon budget, c'est plus ou moins 50 à 60 € par semaine. Hein. Et j'avais acheté un autre truc, mais je sais plus trop. Ici donc, aujourd'hui, nous sommes jeudi 19 mars. Et ça, c'est mon ticket du jour. Des trucs, ça me fait en tout 70 € que j'ai payé en caisse. C'est bien parce que vous savez faire le calcul avant d'aller faire vos courses. Et c'est vraiment pratique. Donc moi, je vais garder ce ticket-là dans mes favoris parce que ce sont des tickets, ce sont des produits que j'utilise régulièrement dans la semaine. Et à chaque fois, j'essaie de switcher. Donc j'arrive pratiquement jamais à 100 €. Les 86,24 €, c'est vraiment exceptionnel parce que j'ai acheté deux matériels qui n'avait rien à voir avec ces deux coups de cœur, on va dire comme ça. Donc ça m'a coûté 20 €, 25 € en plus dans mon budget
hebdomadaire. Voilà, on va commencer par le lait entier, 1 litre, hein, donc voilà, marqué vraiment en collab avec Lidl. Il est à 78 centimes la pièce. Maintenant, j'ai vu que le lait entier et le lait écrémé. Le demi-écrémé, j'en ai pas vu. Ici, donc les mini sandwichs sont à 1,89 €. Pour ça, comme ça, il y en a 20 fois 27 grammes. Donc, il y en a 20. C'est des mini sandwichs au beurre. Les enfants adorent. Je leur fais des sandwichs là-dedans. Les 20 dedans, c'est vraiment bien à 1,89 €. Les saucisses viennoises à 65 centimes la pièce. Je leur ferai avec les enfants, je leur ferai ça avec des pâtes. Et avec une sauce, je sais pas, sauce tomate ou bien, je verrai bien. Ici, le sucre fin est à 69 centimes la pièce. C'est 40 centimes les tomates concassées comme ça. J'achète toujours ça, je les remplace souvent par rapport aux tomates fraîches. Parfois, si j'ai pas la tomate fraîche à portée de main, je prends ça en boîte. Comme ça, c'est des tomates concassées. Le pain blanc, comme je vous ai dit tout à l'heure, est à 72 centimes la pièce. Les pains carrés comme ça, que je vais mettre au congèle. Voilà, donc les chips naturels, ceux-là, ils sont à 75 centimes. Le poulet curry belge, avec le drapeau de Belgique. 200 grammes. Il est à 89 centimes le poulet curry à 200 grammes. Ici, donc, ça, c'était pas en promo, c'était 2. Oui, c'était en promo, 2 euros pile poil. Hein. 2 euros le côte de porc au filet de porc. Donc. Ici, le family pack, ils l'ont mis. C'est combien encore? C'était la viande hachée de bœuf et de porc. Il est à 4,99 €. Donc 4,99 €, 5 euros pour 1 kilo comme ça. Saucisse de campagne, j'ai beaucoup aimé, c'est 2,89 €. 3 pièces comme ça, 390 grammes. Le spiring, côte de porc, le 500 grammes, est à 2,99 €. Donc 3 euros les 500 grammes. La chipolata. 1 kg, le family pack à 6,38 €. 38. Ici, j'avais plus de bouillon de bœuf. Du coup, j'en ai rajouté du Knorr. Bouillon de viande, plutôt, je veux dire. Le bouillon de viande est à 2,19 €. 2,19 €. Le Vitador, 2,50 €. Bien sûr, l'huile de frites que j'achète chaque semaine. Ici, les histoires de siens. C'est du gel douche, hein, mais tellement que à cause de cette pénurie de savon des mains, il est à 69 centimes la pièce. J'ai pris ça en savon des mains. Donc, je vais mettre ça dans mon tube pour le savon des mains. Un tube que j'ai acheté chez Action, tout simplement. Hein, et que je vais mettre dedans, comme quoi on pourra se laver les mains là-dedans. Et vu que c'est du gel douche à 69 centimes, c'est donné. C'est pour les malins, hein, pour ceux qui sont malins et qui vous trouvent que dans leur magasin, il n'y a pas de gel douche, il n'y a pas de savon des mains, allez chercher du gel douche comme ça, 69 centimes chez Lidl. Alors, du chocomelk pour les enfants, 1,35 € si il y en a 6 dedans. Et voilà pour le dernier round, dernier tour. Parce que voilà, c'est quand même beaucoup, hein, mais on va faire mollo, 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 mollo. Mollo, 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 mollo. Le petit jus de citron. Le petit jus de citron, là, comme ça, là, il est à 31 centimes. En dans mon thé, tout ça. Les haricots, il n'y a plus les haricots en boîte, ils ont tout terminé. Ils sont à 1,39 €. Il est à 1,59 €. 1,59 €. Alors, les smoky sticks, les imitations grills, ça c'est très bon, ça c'est pour moi, pour devant mon film. Ma petite fringale que j'aime beaucoup, mais bon, les enfants vont quand même manger avec moi. Le snack day, il est à 79 centimes. 79 centimes, et il est plus goûteux que le grill, je trouve. Alors, les frites allumettes, parce qu'Alexandre aime bien ça. Les frites allumettes sont à... C'est pas des mensonges, c'est 75 centimes les gars. C'est 75 centimes les gars. Et c'est pas en promotion. Donc c'est les Harvest, Basket, Allumettes, Frites belges, Allumettes. Avec de l'huile de tournesol. 100% dans l'huile de tournesol. Et à 75 centimes. C'est donné. Hein. Et c'est combien? C'est 1 kg. Pas mal, hein?
pommes de terre frites, pommes frites. Les pommes frites sont à 4,95 €. C'est 1 euro en plus que ceux que j'achète au marché habituellement. Le saucisson de jambon, du lano, c'est ça, hein? Donc, le saucisson de jambon est à 1,25 € quand même, hein? C'est quand même 1,25 € mine de rien. Et c'est 200 grammes. Le paquet d'œufs, des œufs, donc les œufs de ferme élevés au sol. Il y en a 12 dedans, 100% de Belgique, à 1,39 €. Ensuite, les couches culottes Loupilou Soft and Dry Pants. Donc, c'est des couches culottes vraiment pratiques pour les loulous. Ici, elles portent de la taille 6 parce qu'elles font plus de 16 kilos. Faites attention aux tailles, bien sûr. Bon, il y en a 18, c'est déjà pas mal parce qu'elle en met un le matin et le soir, vu qu'elle est obligée d'aller faire pipi et popo aux toilettes. Et c'est 4,99 €. 4,99 € seulement. Donc, à 5 euros, t'es tranquille. Si, c'est 2 euros. Hein, donc, c'est 1 euro. 1,99 € les Freeway Orange, comme ça. Il y en a 6 paquets dedans. Et les Freeway Cola sont à 1,59 € seulement. Hein, donc, pour moins de 2 euros, t'as 6 paquets de Coca comme ça. Vu qu'on consomme beaucoup d'eau. Et les limonades, c'est plus pour le dîner du soir et ça dépend encore. Voilà, donc je pense avoir fait tout le tour, le tour, le tour. Donc en tout, ça a fait 70 euros. J'espère que ce genre de vidéo te plaît, dis-le-moi en commentaire. Le truc, c'est que vous m'avez demandé à plusieurs reprises de faire des hauls, shopping, tout ça, mais je le ferai sur Gracia Manicure. S'il faut, j'en mettrai de temps à autre quand la situation actuelle du coronavirus va baisser. Certainement sur Gracia Lifestyle, parce que ça fait partie de la vie aussi, ça fait partie de mon lifestyle. Ici, donc, je vous donnais à chaque fois les références, hein, donc vous avez mon ticket de caisse où je vous ai donné les prix de tous les articles. Et voilà, téléchargez, je vous encourage vraiment de télécharger cette application. C'est gagnant pour vous. Enregistrez-vous, c'est très facile à s'enregistrer, à mettre vos données dedans, à choisir, à regarder les réductions que vous avez, tout ça. Bref, c'est un bon plan pour vous. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait sur Gracia Lifestyle et si tu veux sur Gracia Manicure aussi. Et de toute façon, je te retrouve très 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 bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous!